est inadmissible qu'une femme aussi charismatique que moi, je n'ai toujours pas d'emploi. Le pagne que je porte incarne la femme travailleuse. Alors, j'ai le devoir et le droit de trouver un travail. Ma chérie, excuse-moi. Hein. Vous recherchez combien de visiteurs? Oui. C'est pas les histoires que quelqu'un va appeler là. On veut les gens comme vous là. Ah bon? Bien. C'est parce que j'ai le niveau. L'atout, le teint, tout est propre. On recherche ça. Ah bon? Mm-hmm. C'est grâce à une hygiène cosmétique que je brille de telle sorte. Vraiment? Je brille de mille feux grâce à mon lait corporel. Oh. Laisse-moi tout écouter. Sérieux? Et puis la fiche, c'est rien pour moi. Okay. C'est bon, c'est des têtes. J'ai compris, madame. Bye bye. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Une vraie femme, c'est celle-là qui sait saisir les opportunités. C'est ce que j'ai fait. Allô, oui. Vous êtes à quel niveau là? Je ne vous vois pas. Ah oui. Bonjour, madame. Bonsoir. Oui, c'est pour le poste de visiteur. Ah oui. Venez là, attendez-moi là, s'il vous plaît. Enfin, fini le chômage. Je pense pas qu'on aura besoin de ce poulet là-bas qui t'en assis. C'est pas mieux que j'étais ça. Je peux le voir ça. Hé, c'est une blague. Madame, maman, on ne gâche pas la nourriture. Je pense aux gens qui n'en ont pas. Hein. Laissez-moi vous débarrasser de ça. Merci. Ah bon, hein? Maître! Comment c'est ça? Ouais! Quand j'ai un peu de moyen, ça est bien sûr. C'est une morgue moderne. Je redonne vie aux morts jusqu'à ce qu'on les enterre. Pour que les morts se sentent à nouveau en famille. Parce que les morts oublient très souvent l'humanité des morts. Le couple ici, le couple là, les deux là, le gros et la petite moi là, ils sont entrés tout à l'heure là. Ils m'ont donné le poulet. Je ne pense pas qu'ils soient morts. Ils mentent. Quel poulet ma chérie? Ils sont morts depuis avant-hier. Le poulet. Le poulet qui n'a pas du droit. Mais ma chérie, tu vas prendre quel poulet? Tu partais juste pour sucer tes doigts ici comme une folle. Devenue sauterelle parce que je cherche le travail. Pardon, mieux le chômage.